Un nouveau jour s'est levé. Un continent s'est révélé. Pour nous, pour eux, pour lui, pour elle. L'heure est venue de dévoiler une nouvelle réalité. Vivons le jour, vivons la nuit, voyons le monde à l'infini. Rêvons d'avenir, de devenir, ce que l'on souhaite, où que l'on souhaite. Partageons nos passions, écrivons nos succès, exprimons tout ce que l'on est. Avançons sans limite, puisque le monde est là et qu'il nous ouvre les bras. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, le ministre de l'Intérieur, le gouverneur de la région de Thiès, le préfet département de Tiwao, Samoto, On munuma ci touru Assane Ndiaye ci touru commune Taïba Ndiaye di len ci sante di len ci gëreum a di parti ni parc bi nak nekul ci domaine agriculture peut-être da ci dogo exi parce que parc bi dañ koy gis ci domaine de santé éducation dañ ko ci gis installation pérenne ñu ko ci gis installation aussi comment dire les transformations et légumes tam jëjë di ci nak en tout cas au nom du maire Assane Ndiaye vraiment ñu ngi fédélé wat encore sun partenariat ak parc bi dikoy xamaniko la commune lim fi def commune bi lako defal mais état bi lañ koy defal té ñun aussi tamit lepp nga xamanteni war nañ ko taxawé war ko jappelé pour sun baykat yi pour sun nit yi mëna dem le fait que rek ndox mo fi mankon ci commune Taïba Ndiaye mom ñëw na bënn ay forage ndox yo xam dañ ci mëna bay bo amé forage am jiw am engrais am ndox am lepp dal fi may wo moy di ñaan président agriculture yi nga xamanteni ak coopérative ñi nga xamni ñoo séxlé ci wara jëm gor gor lu liggéey ba nga xamni dal vraiment war nañu am réussite production bo xamanteni dina mucc ami parce que li ñuy def ni day wone ni commune Taïba Ndiaye mën na nek le eulteup agricole war na mëna di fournir en termes de productivité sous ak pomme de terre dikoy jox au niveau du département au niveau de la région de Dakar et au niveau partout au Sénégal fi def ak mo tor fi def kon ci touru Assane Ndiaye vraiment do ñuy contane bu baaxa baax ñeu tew fi fekk distribution semence nga xamanteni ci sun agriculture la dem ci sun coopérative la dem di sante également aussi les présidents de coopérative mu nek ñi ñoo xamanteni do non dynamique jambar leen ñoo ñep moy ñep nek tamit ñu nek en maître agriculture bo xamanteni mo leen koy wax di mo nan kuy wo peul ci goxum saw ya ko kon da ko ci fekk mu ci bay kon dina ci contane bu baakha baax population den ci contane lol dal mo waralon tay sama taway ci monsieur le journaliste Khalid wa damay commencé d'abord sante sous préfet nga xamné mom moy délégué président la république taxol fi président la république taxol fi également mam gouvernement yépp également di représentant maire nga xamné mok sous préfet ñu am don tay la reprise cérémonie cérémonie nak dañ doon jëbal ay semences ak ay engrais on a un train agricole qui valait 32,5 millions lo xamné ni juroobi coopérative bi nga xamné taxawon nañu ci commune Taïba Ndiaye lañ ko doon jëf mo fatiné rek ci suñu cadre
intéressé dañ fi yëkëti programme bu am solo programme bo xamni diko yëkëti moy soxli mbay développement mbay soo ne développement mbay nag mooy na nit ñi am ndox moo tax mais ji may ñëw gas nañ fi ñaar fukki forage ak juróom yoo xam ne jëppal nañ ko coopérative semaine prochaine nañu installé seen pompe solo ñuy àndal ak système d'irrigation yi nga xam ne système d'irrigation utaako loolu lépp pour développer mbay mi jaarale ko ci coopérative sërëm yi daal mu ngi ko dañ dajoon tey pour remettre officiellement ay intrants maanaam ay engrais ak ay jiw yoo xam ne baykatu communauté ba Ndiaye ñoom lañ ko jël globalement mu ngi toll ci 32,500,000 ndaxuñ ci benn zone zone yëpp la xam nga suñu politique développement agricole dañ ko maanaam centré ci li ñuy xam pôle agricole juróomi pôle agricole pôle agricole bu nekk nag mu ngi ànd ak benn zone am nañu pôle agricole zone industrielle ak coopérative zone centre zone Ndiaye zone 5 village ak zone 8 village donc mel na ni bàyyiwuñu benn gox ci biir communauté ba Ndiaye ñëpp donc intrant yi may wax 5 coopératives yi nga xam ne ñoo nekk ci gox yi fasantigo yi nekk ci biir communauté ba Ndiaye ñoom ñoo ko bokk ñoom ñoo ko bokk xam nga ñëpp daje nañ tey Sénégal su nekkee bëgg nañuy développer réew amel amul feneen fu ñu mën a jaar fu dul bay ku ñëw biir communauté ba Ndiaye traversé ko xam ne fii ay jàmbaar ñoo fi ne ay liggéeykat ñoo fi ne waaye dañoo dese am dimbal ñun bu ñu gisee constaté boobu nit ñi ne nañ lañ jàppale ci suñu programme RSA ci wàllu bay ñu ne la ñuy njëkk a def mooy nañ dimbali nit ñi am ndox gannaaw ba ñu amee ndox nañ leen tàggat ñu defay formation mais nañ leen jàppale ñu amee intrant mais également organisé la donc ci liggéey boobu lañ ne te am nañ ci yaakaar incha allah fi léeg ay at yu néew communauté ba Ndiaye dina nekk pôle agricole boo xam ne bii di royukaay lay doon ci biir Sénégal. 32,500,000 intrants yi kese nga wax intrants yi nga xam ne moom lañ doon joxete waxoo forage. Forage yi forage yi mucc ayib la bu ci nekk au minimum 4,000,000 lay jar forage yi te dee leen ko jëfal subvention pompe yi pompe bu ci ne pompe solaire bu ci ne au minimum 1,500,000 lay jar boo xam ne système d'irrigation système d'irrigation bi hectare bu ne 1,600,000 lay jar waxuma ingénieur yi nga xam ñoom lañuy jël di ci waa Grèce def ak waa Tudu Safar ci tàggat population yi donc ay millions lañuy investir ci mbay bi am yaakaar nag ne liñ ci xaar ci wàllu développement agricole soxali mbay mi ci wàllu ay production yi mu ci ayib yi war a mën a ñëw dina am loolu nag soo ko waxee mooy créé ngay emploi pour les jeunes yaakaar ne xale yi dinañ toog liggéey ci gox bi parce que créé nañ ay richesse économique bi développé na loolu mooy ci suñu mbébét ñun danaa la li ñu organisé ma ay coopérative semence yi dañ ko jox directement ñi nga xam ne ñoom ñooy baykat exploitant yi coopérative bi lañ koy cëppal joxe nañu 32,500,000 tey mais bii xam ne moom la ñuy xaar ci coopérative bi mooy nañ fexe ba 32,500,000 ñu daal di koy fuul su ko defee suñ ko joxee seen sociétaire ki nga xam ne jox nañ ko gramme semence exemple laa joxe nga am loo ci yokk su yàggee 32,500,000 yooyu na nekk ba nekk ay millions yoo xam ne ñoom même su leen jàppaloolu dañ ci semence ñoom nañ mën a utal seen i bopp semence loolu mooy durabilité loolu mooy loo xam ne dafa am tànk kanam donc loolu la ñuy xaar ci coopérative yi ak seen i membre bu ñu xaar lépp ci parc orienté ba Ndiaye na am loo xam ne luñ ci def la mais li ñu bëgg mooy lépp luñ ci def rek na am tànk kanam jox nañ leen tey 32,500,000 semence dayoon ñoom nañ ñu ne jox ngeen ñu 32,500,000 semence tey def nañ ko 70,000,000 distribuat nañ ko suñuy société loolu lañ ko bëgg mais na am système de suivi bu ñu mettre en place parce que nee naa la am na ñaari cabinet d' expertise yu fi ne muy Grèce Dev ak du Safar def nañ nekk nañ di suivre sur le terrain ak ay fiche waaw ki nga ku remboursé nañ ko xam ku remboursé nañ ko xam yàlla dama nattoo ñu affecté ma fii ci communauté ba Ndiaye ma fekk ay nit ñu baax ñu nangoo liggéey mu nekk doomu réew mi jàng fi ci réew bi et puis war a mën war a contribuer ci développement réew mi yaa ngi dégg su loolu amee congé moom am na solo da ngay noppalu mais suñu la wooyee ci activité bu mel ne activité développement la loolu mënoo lu dul bàyyi ko parce que population tey ba Ndiaye jëral nañ ma ko man sama rêve li may gént mooy ma nekk ñi nga xam ne contribué nañu ci développement communauté ba Ndiaye ànd ceeg autorité yi ànd ceeg conseil municipal ànd ceeg ñu mel ni yow borom léppay baax bay nga xam ne également yaa ngi def liggéey bu mucc ayib ku nekk daal dañu mel ne ñuy tabax bâtiment ku nekk da nga am ab xeer boo ci indi man tamit sama xeer bu ndaw boobu laa ci indi pour développe contribué ci développement commune moo tax ma bàyyi lépp ñëw assisté ci cérémonie bi voilà di la sant également di la gërëm di santaat sous préfet bi nga xam ne bàyyi na lépp ñëw présider suñu cérémonie di sant le maire Assane Ndiaye voilà di sant l'adjoint au maire Diop Ablaye Diop bi nga xam ne moom moo ñëwoon donc co-présider avec le sous préfet mais di ñaanal coopérative bi lii ñu leen sas
vraiment mu nek lo xamné ki inshallah ay résultat yu mucc ay dina ci tuddu dal. Merci. Wa salam alaykum. Man la Abdou Dia, nek président coopérative zone de Niay. Man la Abdou Dia, nek président coopérative zone de Niay, muy zone bi nga xamanteni mo fété côté balé jëm côté nodo muy dëkk bi nga xamanteni mo ngi wax ndax ak Daru Dia ak Demba Diallo ak Salif Ba ak Cheno Ndiaye ak Mack Gueye Bey ak Bal Gueye ma nek sen président de coopérative ñu téwon fi tay fi et si sédélé bi ñi sédélé jiw wek engrais bi mu joggé ci parc éolien Tayba Ndiaye dam jitu won loolu ñu defal won defal yele tamat ay mini forage vraiment ñing ko ci remercier di gis ni wax deug yalla li am dimbal la day am jappalé la bu baaxa baax dal vraiment dañ ko ci remercier parce que 32 millions du ndaw valeur 32 millions mu jël ko jox ko baykat yi nga xamanteni ñoo nek fi bok ci 5 coopératives loolu vraiment dañ ci remercier monsieur Sow parce que dañuy wax ni wax deug yalla yagul bi mu commencé affaire yi mais vraiment def na fi lo xamanteni peut-être am nañu ko fi jitu yag fi loolu te defuñu ko ndax ñun bo xolé ñun suñu coopérative bu mu sampo ak légui la 21 août bi passé la 21 août 2003 la suñu coopérative 2023 la suñu coopérative taxaw te ci biir le 21 août 2023 bi am nañ ci récipicé am nañ ci mbolam kay ñu ci soxla am nañ ci ay formation ba tay ji mi ngi ni jël valeur 32 millions c'est le 5 coopératives yi nekk ci zone bi kon vraiment loolu dañuy gis ne kon parc éolien ay tank kanam la am mais amul ay tank ginaaw ndax vraiment mi ngi jappelé dal ñun président coopérative mi ngi jappelé tamat baykat ndax baykat ko formé jox ko ndox jox ko jiw yaakar na dem liggéey rek mo ci dess loolit mu nekkat benen xalaat bu rafet ndax tay ji def ni kat yeen membre yi nga xamanteni yeen gagné won point d'eau yi wessu ak point d'eau yi ñew pour ñi dimbali leen moy dañ leen di ubbil ay compte si ki nga xamanteni mom mo wara monté pompe yi di ñew ak panneau solaire yi kenn ku nekk da nga nekk am membre nga gagné mu la kañu ubbi le compte compte bobu dina la couvrir bobu ëllëgé banque bobu ngay verser xaalis diko fay ibris di nga dema dema dem ba nga xamanteni so verser so respecter sa versement ñu ni mën nañu dem ba level le valeur 5 millions pour nga gëna mëna liggéey da baykat ku ko jappelé mu liggéey parce que bëgg nañu liggéey mais ñak moyen wax deug yalla lolou dañuy gis ni vraiment xalaat bu rafet initiative bu rafet la vraiment yow tamat borom leppay baax ñu lay sant bu baax la remercier parce que gis nañu grand événement yépp yang koy couvrir ci danaka dal dara rewatu yépp ci Tayba Ndiaye parce que ñu lay suivre événement yu ngand yépp gis nañu borom leppay baax mom mi ngi ci biir ba dañ koy ñaanal affaire ñom ba nek télé ni mu nek site ñu ñaan mu dem ba nek télé ndax xam naan bu nekké télé lepp dina gëna baax waaw ñu gërëm ñepp gërëm parce que wolé gërëm borom leppay baax mom mi xam na moy xajal ñu liggéey di sant ñi jappalé ci projet bi yépp tay nak nek journée bo xamné journée distribution semence manam baykat yi bañ leen jappalé manam buñu né sen valeur da fay joxé jiw def ci am solo ak joxé li ñuy woy engrais ak yoy non manam fimné ni tay journée bi dañuy distribuer semence ak engrais ci bénéficiaire yi nga xamné ñi nga xamné amon nañ mini forage dem né priorité dans la même occasion aujourd'hui ñu ngi tidji ay compte pour ñu mëna installer pompe solaire semaine bi di wax na rek nañu parce que xamna ni projet bi commencé na ni gërëm ko ki woné parce que ñun comme ñu jëlé aussi mu ñu jox né moyen pour ñu liggéey le parce que biñ fi ñëwé yaakul mais résultat ñu koy commencé gis di ñaan yalla ñëpp def ñaan rek di gërëm ñëpp daal parce que on jital ko ci parce que lim nekk liggéey exemple la pour bép entreprise bo xamné ci yaangi ci benn zone nga dimbalé baykat parce que pour dimbalé baykat rek yaangi dimbalé askan ma pour ñu soxal je pense que aujourd'hui def nañu 25 points et fiek parce que aussi bu ñu défar yenen 25 ni 50 ñu bëgg défar yenen 25 manam ané bu nek mo ñu def minimum 75 muy lo xamné ci dina leen dimbali bu baaxa baax semence yi ñuy joxe nak ñun mo ñu ci doon dañ ko jël jox ko coopérative am ci fonds de roulement bo xamné ci ñom dañuy jël semence yi joxat ko seeni bénéficiaire di fay fin bi nak fin bu metti parce que rawat naani dañ ci def japp dal manam prix bi leen ko joxe mom lañ koy jox wa parce que éolien wutu ci dara lu dul jappalé baykat waaw def nañ ci étude nak parce que li nga wax lool la parce que mini forage kuy gas di am ci biir suuf il faut am lo xamné am nga parce que yalla def ñu sutural aussi ñu am ci yeen expérience ñu leen ni zone bi danaka fepp fu ndox nek ñu mën nañ ko xam def ci am zone bo xam dafa compliqué nak muy zone industrielle ñu ngi xol lu ñuy def ba am ay forage yo xam ci forage gu grand degré yu mag do xamné nit dañ koy bok waye donté né defaguñu mini forage du té ñom zone industrielle dox leen ay semence pa ñu mëna liggéey ma ñu nekk ci dal du walu solan mais lepp lu ci mënti nek dal ñun ñoo ngi xotal suñu étude di jéma xol ñu def ba ñepp am ci ndox parce que xam na loolu mom nek na li nga xam ci mom
ñi gëna soxla tay fiñ tollu inshallah cabinet bi ndax day am ay relation ak li nga moy maire bi tay ñay wala mom ci parc rek la basé wu waaw cabinet bi mom dafa nek digënté parc bi ak coopérative par contre nak lepp lu ñuy def dañuy yëgal maire tay ben manam buñ fay tamit dañuy and ak waaw barké wol yi parce que relation bu la ñam ak ci di gërem maire nak parce que ñu ngi yombal bu baax liggéey bi parce que sañ ko démé dinañ gis monsieur le maire wala mu boole ñok kenn té bo ba légui wax dëgg yalla mu ngi japp ci liggéey na relation bu dal ñam ak ñoo waaw yow dila gërem parce que xamna né bo fi ñëw ba légui ma ngi lay gis yaa ngi woné di wax gaay ñu jappalé parce que nak kuy def communication da nga soxla ay moyens matériels soxla lénen ak lénen képp ko xamné mu ngi def cérémonie bi ma ngi koy ñaan mu ñëw seen côté té di ñu jappalé la barké awelien tay ni muy jappalé ñeneen ñi war na mëna jappalé jeune yi nga xamné and ak lénen ñu melni walé fay ba parce que liggéey bi yomb liggéey la bo xamné da ngay bay ci benen liggéey ñëw bo ci fayé ko lu yagg da ngay décourager di encourager parc bi ak mairie bi commune bi yépp ñu japp ci multimédia parce que loolu ci fokk na entrepreneurial bo xam ci mëna ci japp ay ndaw ñoo ci nek tay ya ci nek té ñu ñaan yalla fék deewen bo fi ñëw and ak ñeneen parce que liggéey bi ëpp la doon ñu la lay ñaan merci Modi Djoubou je suis l'expert chaîne de valeur projet de développement des chaînes de valeur agricole de la commune de Tamadia absolument. Donc merci tay ñu fi dajalé woon sous l'égide donc du sous-préfet moy cérémonie de distribution bi ñam avant tane c'est une cérémonie assez solennelle ndax parc bi dans le cadre donc du projet de développement de Chalabodo nga xamantene dafa tek pour jappalé yi nga xamantene dañuy yëngu ci walu mbay ci commune depuis le moyen de la production jusqu'au moyen de la commercialisation en passant par tout ce qui est transformation et stockage. Tay dafa ñëw jëmmal en tout cas renforcement des capacités productives yi nga xamantene définir nañ ko à travers le projet ci benn yëf muy lan faciliter l'accès aux emplois. Donc si loolu la parc bi décidé avec l'accompagnement de DSDF yi nga xamantene muy cabinet bi doxal projet bi décidé financer les coopératives à hauteur de 32 millions 500 dafa nekk benn montant bu xamantene dañ ko jënd en intrant pour les intrants de la fille semence là en taille. Donc bu ko jëndee dañ koy jënd distribuer ko au sein de coopérative bi nga xamantene aussi ñu ñoo ko mettre en place. Après coopérative yooyu elles sont appelées à redistribuer ou en tout cas à rétrocéder ces intrants là au niveau de leurs membres. Donc tey liñ fi dajale woon mooy séddale de façon solennelle ces intrants là. Léegi nag séddale bi niñ ko defee parce que approche projet bi à chaque fois ce qu'on cherche mooy benn lu tubaab naan une approche participative mooy dañuy bëgg tey ñëpp gis seen bopp et puis loolu dañ ko adossé aussi ci beneen logique mooy lan la responsabilisation parce que aussi coopérative yëpp dañ leen a responsabilisé de telle sorte que bu ñu defee séddale bopp par exemple ñoom dañ leen bàyyi elles ont la prérogative de définir les semences de distribution à l'interne. Donc par rapport à ça ñu ko décidé mooy semence communautaire bi 5 coopératives yi ku ci nekk am nga à l' exception donc de zone industrielle parce que zone industrielle dañu gis ni zone bu xamantene la ñoom peut être duñ fa bay pomputeer bu bari donc ci loolu zone 8 village dañu am 2 tonnes zone des Niayes am 6 tonnes zone centre 6 tonnes ak zone 5 village 5 tonnes. Bu ñëwee ci wàllu poids zone bi liñ distribuer mooy zone 5 village dañ leen a jox 8 pots de 50 grammes zone des Niayes ñu tamit ñu am 8 pots de 50 grammes zone centre 8 pots de 50 grammes zone des 5 village 8 pots de 50 grammes zone industrielle 8 pots de 50 grammes. Donc bu ñëwee aussi si semence tomate bi dañoo jëndoon 50 pots de 50 grammes foofu aussi dañu def benn distribution équilibrée entre donc les deux les 5 coopératives. Et bu ñëwee aussi ci semence chou bi ay kii lañ jënd dafa am 2 variétés quoi dañoo am variété tropicana am variété tropicana variété tropicana bi dañu gis mooy li ñu koy bay fopp mooy wàllu zone industrielle donc bu ñu gisee distribution ñoo si ëppale variété tropica pos bi presque zone yi ci ëppale mooy zone des Niayes bi zone centre ak zone des 8 villages. Léegi nag bu ñëwee ci wàllu urée bi mooy engrais bi mooy dis verbe ak urée bi liñ ci jënd dafa tax lool parce que boo jëlee urée bi dina leen ci presque 250 sacs loolu nag dañ ko répartir de façon équilibrée donc si on divise ça par 5 chaque jour dafa am 50 sacs
de 50 km. 10-20 000, nous avons 500 personnes, nous avons distribué de façon équitable. Chaque zone a 104 sacs. Donc, nous avons un numéro, nous avons distribué de façon équitable. Suivi parce que le fait que ça nous tenir cérémonie pour préparer et nous le suivi parce que baykat aussi bo ñëw dans la prochaine vallée dañ ñëw renforcer ses capacités jox leen ay équipements parce que nek nañ aussi di def ay points batay amna 25 yo xamanteni dafa leen point bi renforcer nañ leen ses capacités sur tout ce qui est technique de production etc sur la dynamique organisationnelle. Donc, si vous avez une semence, presque vous pouvez dire que c'est la dernière étape. Donc, l'étape qui est évidente, bien comment de voir l'union, ça va le suivre. Parce que nous avons un système de commentaire, un système où nous avons un cadre, nous avons trouvé des animateurs endogènes. Donc, nous avons fait le suivi sur le terrain, dans les lignes de high fish, de faire sensibiliser les lignes qui n'ont pas de remplir et renseigner les fichiers. Donc, nous avons renseigné à travers informations et nous avons un grand intérêt des informations assez important moi ni permettre de nous mener des assistements et comment de nous permettre d'atteindre l'objectif et comment de nous prédéfinir dans le cadre de la projet c'est un assez important maintenant il faut que moi de nous pouvoir renforcer les capacités en tout cas les ressources productives au niveau des coopératives parce que coopératives nous devons mettre en place de vite de nous mener d'ailleurs le pour le baykat du sol au niveau de la commune coopérative vous des matériel agricole coopérative mon ko def vous des renforcement de capacité aussi coopérative mon ko def parce que dañ fi def ben approche bon tudé muy approche du mentorat ñu dañ leen di former à travers des mentors ñom ñu dem former wa ci yenn membre coopérative vous des aussi accessibilité aux intrants tay parce que dañu def ben nutrition wala ñu wone tay baykat bu ñu waré jënd intrants muy engrais muy produit phytosanitaire muy sol dañuy jëgal dem ba ay côté noto wala ay côté dal diko jinde fofu te lepp xam nañ ni tay lool dañuy passe te buñu passé day yok ni ñu wax charge productif donc bu wañu lool ñu dañuy placer ay coopérative légui nak ñu nekk ñu nga xamanteni ay distributeur d'intrants lañ donc lool coopérative bi ñom ñokoy géré buñ ko joxé membres qui sont appelés à rembourser donc lool dañ ko def pour renforcer les ressources en tout cas financières des coopératives après fonds bobu da leen di permettre tay buñ ko amé deul bu seen membres yi soxla intrant rek mu mën leen ko def parce que bobu mu def nañ ko parce que biñ ñëwé par exemple dans la ville du Santay ñu ko bouclé muy ben étude diagnostic assez sommaire des champs de valeur xamanteni tay def nañ ko mo ñu permettre ñu am l'ensemble des informations par rapport à yeen variété de ci zone bi ak aussi ban moment lañ ko wara utiliser etc ak aussi yeen renforcement de capacité ñu leen wara def ba tay ñu initiative yi nga xamanteni parti bi ko jël effort yi nga xamanteni mo ko def ba tay baykat yoy nek à l'aise pour valoriser donc ci lolu tay ci lañ identifier certaines variétés bo jëlé chou bi gis nañ ni fi deux variétés yi fi gëna bay moy tropicana bi ak tropicana cross bi bo démé zone industrielle man tropicana bi gëna soxla bo ñëwé tay zone des ñaay zone centre ba zone 5000 da ngay gis ni ñom tropicana cross bi gëna soxla donc yoy yëpp yi ñu jënd dañ ko basé ci étude yi ko tay fi gëna information yi ñu am tay c'est des informations pertinentes te ñu ci information yoy lañ taxaw ba jënd tay variété yi ñu am tay amor la sey kaddu mu direct sur forum le pay bax belbe tv lan ngay kaddu mu direct moy remercier parti bi nga xamanteni en tout cas mo mo am initiative et depuis des années moy fournir des efforts en tout cas dans tous les domaines de développement au niveau de la zone que ça soit au niveau de l'éducation au niveau de l'agriculture surtout sur le développement des champs de valeur mon koy def donc mon koy def aussi ci côté santé bi ci côté environnement etc en tout cas diko remercier di gëna ñaax tam producteur xam ni investissement yi par bi def c'est des investissements assez colossal donc ñom tay ñoo wara taxaway bu xam tax peut être dinañ mëna valoriser tay ces investissements là ba tay walu mbay bi ñom ci niveau commune ba tay ku nekk mën ci li sama économiquement tabi dina remercier ci couverture bi et je pense que seen taway am na fi solo ndax tay li day tax parce que on est en train de développer un modèle au niveau de la commune avec l'appui donc du parc donc oui je pense que événement yi diko couvrir diko wan ni day permettre tay ñu mëna diffuser modèle ba tay yeneen producteurs yi nekk ci yeneen zone en tout cas man ci jall pour yeneen ko pour ça en tout cas on dit que am ci fait.
en présence des autorités pour témoigner l'autre. Parce qu'il y a le défilé de l'Apto, qui est le coordonnateur. Nous avons ramené que les responsables de Boré et de Yom. Voilà. Pour ouvrir. Donc, en la qualité, nous sommes en train de faire des choses. Nous avons saisi l'occasion. Nous avons fait des choses. 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 Mais également, nous avons fait des choses. Nous avons fait des choses. Parce que si vous avez fait des choses, vous avez fait des choses. Vous avez fait des 6 mois à la peine. Mais qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Il y a des gens qui ont fait des initiatives BOP, qui ont fait des BOP, créé des groupes assemblés, des gens qui ont fait des gens qui ont fait des paix. Ils ont fait des paix. À notre insu, nous avons fait des dialogues, nous avons témoigné, n'est-ce pas, devant les autorités, qui ont fait des gens qui ont fait des gens qui ont fait des gens. Il y a des gens qui ont fait des gens. Mu rew mi tolo tay fo xamne ku nekkone la tok taxaw parce que ndax suñu xalé yi dem li dé ci gëj té kat ñëpp né nañu solution bi du fénal lu dul ñu dalu ci ci bay loolu ni ñu wax dalu ci bay bi moy dañu maîtriser ndox am ndox mu doy donc en quantité en qualité dañu may intrant yu bax de qualité dañu tagat ni ñu lay lañu organiser. Legui def nañ ko ci collectivité rob melni tay ba jaay li ñaan yalla moy mu dox likoy doxal moy production bi bari rendement yi bax bu jaay production bi bari ñu créer richesse créer valeur ajoutée su boba nit ñi nañ na ko tok mais effort bobu responsable bu nek suñu wax suñu ko doxalul ah war may yaa war lu may doon gi ngeen baam la expression bi loolu may doon parce que am occasion pour woné joxe modèle. Mais ce qu'on a dit, c'est qu'on peut faire dans notre commune, on peut tous les gens. Donc, je vous remercie de Dieu. Dans ce sens, vous êtes présents. Ce n'est pas parce qu'on a fait tout ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, c'est comme une goutte dans la mer. Tout à l'heure. Mais je sais qu'avec l'appui des autorités, du préfet, vous avez entendu le message, vous avez entendu le sens. Vous avez entendu le mettre en relation avec les pouvoirs publics. Avec le travail que la mairie est en train de faire, ils vont mettre en rapport avec d'autres partenaires. Ils vont dire que le Sénégal est libre, tech. Mais dans le même temps, ce qui est le maire de Guéloudier, nous avons dit que ce qui est le maire depuis 2 années, nous avons dit que le maire, le président de la commission technique, nous avons dit que la commission technique pour le Dieu. Yalla def tay mu nek mais continuer liguey. C'est pourquoi donc on voudrait remercier Mathieu Omer sa présence et donc jox ko carte bi pour qu'on note notre maire du maire plutôt qu'il puisse placer l'espace ici. Assalamu alaykum. Mangi tuddu Abdou Diop nek ingénieur télécom nek deuxième adjoint maire de la commune de Tadiane. Ñoo fi représenter fi ci la maire Sénégal. Kina bu mo nuyo préfet dikoy wax dalal jam si nuyo les représentants du parc les représentants aussi des deux cabinets yi nek ngi len di nuyo ñu aussi les présidents de coopératives yi nga nek ñi ngi nek fi ñun li nga ron wax yeb pratiquement papa ablay wax nako di wax nako et cadre remerciement et cadre sante monsieur le préfet au nom du maire ñu ngi di sante le parc éolien de Tadiane tay su commune Tadiane changé visage c'est grâce avec le parc éolien. Parce que dañuy doga ñëw ci agriculture bi ñu ci santé ñu ci environnement ko tourner au niveau de la commune il y a les graines yi nga xamanteni ñu ko fay def té lepp bu koy def ñu la koy defal parce que ñu ñoy état ñu fi nek le commandement de l'état bu ñu def ngirum mbay bi tamit ñu la koy defal à travers le ministère de l'agriculture ñoo waro ñu indi semence indi agriculture indi yépp ñoo ñu am initiative bi nga xamanteni vraiment dañ koy saluer parce que nit ci da nga naan bala nga naan naam ba nek ba ils ont formé une coopérative, formalisé les, développé une formation, jangalé les techniques de l'agriculture, bundelé un état, indélé une semence, indélé une pomme de terre. Papa Ablaye, Papa Djibi, vous avez devoir avoir un résultat. Vous devez pouvoir am, vous devez sigil, sigil nénén, parce que vous devez donner tout, yep, am d'avis. En tout cas, du mot coup d'œil, le maire d'Armoy
ay remerciement ay sante nit wax nañ ko bëgg def commune Taïba Ndiaye comme ni mu nekk la eutep énergétique au niveau du Sénégal nekk la eutep agricole au niveau du Sénégal parce que initiative boobu moom ngeen di jël moom ngeen di top ak di sante seen ñaari cabinet yi muy 18 safar yi nga xamanteni ñoom ñoom wax nañ ko ñoom ak ñoom ñooy liggéey parce que tamit am na loo xam ne bu ñu ko taxawoon ñoom président yi dañuy découragé ñett ñi de moom xam naa ne peut être ñu ma ñaari président yi ñu le président Madi Papa Ablaye tout le temps coopérative lay wax bi moom dañ ko jëlele kon engagement yi ak motivation bi ngeen am au nom du maire ñu ngi leen ci sant di leen ci gërëm ñun monsieur le préfet dañ lay xamal ni en tant que autorité locale ñun ñu ngi sant di gërëm en tant que éolienne di fidélité encore aussi suñu partenariat ak moom projet bi muy sëmb lu lépp li nga xamante ni la mairie war na ci taxaw inshallah on fera no maximum possible pour que vraiment am une réussite totale de succès ah du fait l'autorité compétente pour ko mën a jàllale ak foo ko mën a waxee amal ni la mairie de Taïba Ndiaye est très satisfait au niveau du parc de Taïba Ndiaye c' est grâce à eux qu'on a pu changer le visage de la communauté de Taïba Ndiaye pour nous dem réunion su ne Taïba Ndiaye on dit que vous avez de l'argent vous avez tout c' est grâce avec le parc éolien suñ ci ñëwee peut être yeneen entreprise sax di inspiré wu di dugal ay RSE au niveau de la commune de Taïba Ndiaye monsieur Sédou monsieur Sow au nom du maire au nom des populations de la commune de Taïba Ndiaye nous vous remercions au fond du cœur et nous souhaitons vraiment toutes les actions que vous êtes en train de faire que ce soit ci la réussite maa ngi wàcce kàddu yu bopp kontaan na mu gërëm na ko di nuyu ñëpp di sant ñëpp yal na yàlla defal jàmm li ngeen di commencé dug ni yàlla na saawaan baawaan ba ñëpp man ci jot ba li ngeen ci jot ni en tout cas au nom du maire Assane Dia kontaan na mu kontaan na rek lu ñu leen di war a sant rek arc ñu sant leen monsieur le préfet boo ko mënee jàllale tamit hiérarchie bi nga xam ne la mairie de Taïba Ndiaye ak gërëm na parc éolien ñu koy sant ñu koy taal parce que dafa nekk naa tous les secteurs de développement yi nga xamante ni ñun ñoo ko waroon a def ñoo ñu ngi ci te ànd koog ñun te du def dara sans la mairie te fait que rek ñuy def dara ñu ci associé loolu rek ñu gis c' quelque chose quoi ci jël encore amul kàddu yu may wax kàddu yu mbégte kàddu yu encouragement kàddu yu satisfaction moom la ñu wax. La bonne est dans le cadre des présidents de coopérative. Ma dit que yow moom si ci préci passé maa ci wàtte moom laay wàcce kàddu yi ah merci beaucoup monsieur le préfet. Voilà merci merci monsieur le maire monsieur le préfet. Monsieur le maire de la commune de Taïba Ndiaye représenté par son adjoint. Messieurs les membres de l'équipe du parc éolien. Mesdames, messieurs membres des deux cabinets. Ici présent, messieurs les membres des coopératives, je me réjouis d'être avec vous ce matin pour cette cérémonie de remise officielle des intrants à travers les 5 coopératives dans le cadre du programme RSE du parc éolien. Vous pouvez imaginer que je suis très satisfait. Et je parle aussi sous le contrôle de M. Sow. Hier, à pareil moment, on était ensemble. C'est bien après qu'il m'a informé de cette cérémonie solennelle. J'ai dû reporter quelques activités ce matin pour être avec vous. C'est l'intérêt, comme le disait l'autre, l'enjeu en dessous de la chandelle. C'est l'intérêt de cette cérémonie qui m'a poussé à être avec vous. Je pouvais être représenté par mon adjoint, mais je tiens à être là parce que je sais que c'est une activité importante. D'autant plus que quand on est avec les agriculteurs, les producteurs, à travers une démarche inclusive, participative, à travers des démarches concertées, on parvient à organiser ou bien à les organiser en faisant quoi? En essayant de chercher à les doter des moyens pour être autonomes, pour que se réjouir de votre activité. L'État, dans notre lettre de mission, vous l'avez si bien dit, monsieur le maire. Certainement, vous nous rappelez notre mission. Mais soyez très rassurés qu'avant d'être nommés au sein d'une circonscription administrative, nous avons une lettre de mission
dans la lettre de mission de son Excellence, Monsieur le Président de la République, il est bien défini. Délégué, vous êtes le délégué du Président de la République et de l'ensemble des membres du gouvernement à l'échelon de la circonscription où vous êtes nommé pour accompagner tous les programmes, projets et activités de l'État dans le cadre du développement. Vous avez fait un rappel à notre égard, mais sachez aussi, tout ce que nous faisons, nous nous rendons compte. La plus haute autorité sait que je suis là. Avant de quitter mon bureau, le droit et l'obligation me poussent à informer à la hiérarchie que je quitte le lieu pour un lieu, pour une activité bien déterminée. Je rencontre au préfet, je rencontre au gouverneur. Hier, avec le problème des ICS, là, il y avait une grève des ICS. J'étais sur le terrain encore. J'étais en contact permanent avec le gouverneur. Nous, on n'ose pas faire des choses sans rendre compte. Nous, on rend compte périodiquement. Notre couverture, c'est rendre compte. C'est ça, notre couverture. Vous avez raison aussi de dire que la commune de Taïba Ndiaye, c'est une commune, je ne dirais pas qui est à l'abri du besoin, mais qui est une commune, c'est une commune quand même respectée. Parce que notre premier conseiller financier, c'est le père. Quand je reçois des actes au nom du contrôle de la légalité qui nous lie, quand j'appelle le père, il me dit, bon, préfet, en principe, hein, à Taïba Ndiaye, il n'y a pas de problème. Parce qu'ils sont... Ils sont bien à cause de ça, vous l'avez si bien dit, et c'est important aussi. Donc on s'en félicite et on remercie aussi vraiment le parc éolien. On vous exhorte aussi à continuer dans cette lancée. Ce qui est important, je disais à Sow, que tout ce qu'on fait, on doit toujours partir d'une démarche inclusive, participative, surtout aussi outiller les gens. C'est important, c'est fondamental. Et je sais, au Sénégal, en écoutant les gens, là où les producteurs s'activent, ou là où les agriculteurs s'activent, ou là où les éleveurs s'activent, il y a moins de difficultés. Il y a moins de manifestations. L'ordre public est là. L'ordre public n'est pas menacé parce que ces producteurs, agriculteurs, éleveurs n'ont pas le temps que d'aller au niveau de leur exploitation pour réussir leur culture ou leur élevage. Par ailleurs, vous trouvez des personnes, des citoyens qui n'appartiennent pas aux grands esprits. Les grands esprits, ce sont ceux qui discutent des événements. Tel est le cas de notre cérémonie de ce matin. Les petits esprits, eux, ils se contentent de ce qu'ils connaissent. Il y a les tout petits esprits qui discutent des autres, ceux qui appartiennent, qui sont logés à cette enseigne. Ils passent tout leur temps à se verser dans le populisme, à faire de la manipulation, pour essayer de gérer des intérêts crypto-personnels qui ne font pas prospérer les collectivités ou les communautés. Donc, dans le cadre de votre programme RSE, vous avez contribué aussi à rendre les producteurs autonomes. Et cette autonomie, dans cette autonomie, il y va de l'intérêt de l'État. Parce que l'État ne peut pas tout faire. À côté de l'État, nous nous appuyons sur les programmes et projets qui sont à l'échelon qui sont implantés au niveau des collectivités territoriales et qui accompagnent avec des techniciens aussi. Mais nous allons mettre un accent particulier, surtout sur la formation. C'est important et c'est fondamental. Pour former les gens, quand on les donne des intrants qui sont importants, il faut les former, il faut les outiller, il faut les accompagner, il faut aussi faire un suivi, les évaluer aussi. Ça, c'est important. Je sais que ça fait partie de vos préoccupations, mais je ne fais que rappeler, comme l'a si bien fait tout à l'heure
monsieur le maire en me disant de bien vouloir remonter au niveau de la plus haute autorité que le parc éolien est à côté de la commune de Taïba Ndiaye dans le cadre de ses activités. Encore une fois, je ne saurais terminer sans vous remercier parce que quand je suis venu au niveau du dossier de passation de service de la sous-préfecture, j'ai trouvé un véhicule en panne réparé par le parc éolien et pour un montant important. J'ai trouvé ça dans le dossier, j'ai suivi ça avec M. Sow sans le voir, il a diligenté et aujourd'hui, à notre grande satisfaction, le véhicule m'a amené ici. Ça aussi, je tenais à le réitérer. Même si c'était avec mon prédécesseur que la procédure a été déclenchée, c'est avec moi que ça a abouti. Ça aussi, je tiens à vous réitérer mes remerciements au nom de la plus haute autorité de l'État. Et je m'engage aussi, je vous tends la main, je m'engage aussi à travailler avec vous, la main dans la main. Parce que notre raison d'être ici, c'est l'intérêt des populations. Notre raison d'être ici, c'est d'accompagner les programmes et projets de l'État. Ça fait partie de notre lettre de mission. Sans trop monopoliser la parole, je vous remercie et vous félicite encore une fois pour votre apport au niveau de ces coopératives. Je remercie aussi le représentant de la presse qui est là. Et vraiment, M. Sow, je vous remercie. Je remercie tout le monde. Merci. Merci, M. le président. Je suis très content. Le projet de développement Saint-Denis, le coordonnateur des activités du projet au niveau de Taïba Ndiaye. Je suis accompagné de mon collègue Mouri Thioub qui gère le volet Saint-Denis. Nous sommes tout heureux aujourd'hui de le projet de développement à cette séance, à cette cérémonie de l'année des attentes, tant entendu par les producteurs. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut féliciter le parc et saluer les efforts qu'ils sont en train de mener pour le développement de notre culture dans la commune de Taïba Ndiaye. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes conscients des efforts qui ont été faits parce qu'à date, en 6 mois, ils ont su réaliser 25 000 forages avec des débits allant de 10 mètres cubes à 40 mètres cubes qui sont vraiment une nette amélioration pour notre agriculture dans la zone de Taïba Ndiaye. Parce qu'on sait que la zone a été confrontée à des difficultés d'accès à l'eau, d'irrigation. Je pense qu'aujourd'hui, ce problème est en train d'être réglé. Et cette cérémonie aussi, cette remise des intrants, va dans ce sens. Je pense qu'aujourd'hui, les horticulteurs de Taïba Ndiaye sont vraiment outillés pour participer au développement de notre culture du Sénégal. Et je pense que le parc éolien de Taïba Ndiaye voudrait faire de Taïba Ndiaye un horticole. À l'exemple de Noto, à l'exemple de Moro et de Darfur Dosso. Je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment engagé pour aller dans ce sens. Nous remercions également l'engagement des présidents des coopératives qui ont beaucoup contribué au développement de ce projet. Et je pense que ça, c'est un début et que la finalité, on aura des résultats exploités. Merci. D'accord, peut-être à la suite de Darfur, je m'associe donc à mes prédécesseurs, en tout cas de. Remercier M. le Préfet d'avoir bien voulu répondre à cette invite, cette cérémonie assez solennelle. Comme il l'a dit, parce que ici, nous faisons la promotion donc, du développement des chaînes de valeur. Et qui dit chaînes de valeur dit donc une approche holistique qui n'exclut donc aucun moyen. Donc nous cherchons à travers donc, disons, le financement du parc, à travailler sur l'ensemble des moyens qui sont identifiés au niveau de la commune. Donc c'est depuis le moyen de la production jusqu'à la commercialisation, en passant par tout ce qui est transformation et stockage. Donc ce qui nous réunit ici aujourd'hui, ça concerne plus spécifiquement le moyen de la production. Et on sait que pour renforcer en tout cas les capacités productives, en tout cas des producteurs, une des choses c'est de leur faciliter l'accès aux terres. Là on a vu que le parc a fait un effort colossal. En tout cas, en voulant mettre à leur disposition des intrants aujourd'hui qui sont estimés à une valeur de 32,5 millions et qui concernent voilà, des semences, que ce soit pour le chou, etc., la pomme de terre, tomate et le poivre. Ces intrants aussi concernent de l'urée, parce que le parc a mis à disposition donc, des producteurs presque disons 250 sacs de 50 kg d'urée, mais aussi, ça concerne aussi le réinvestissement, qui sera donc 500 sacs.
Donc par rapport à ça, on a travaillé avec une entreprise qui est nommée donc Solaris, et je pense qu'il a respecté les termes du contrat. Tous les intrants ont été donc mis à disposition, je pense que c'est visible devant la porte, à l'exception donc du 10-10-20, parce qu'on sait que bon, ils ont passé la commande au niveau de l'ICS et aujourd'hui ils sont en grève. Mais je pense que compte tenu en tout cas du calendrier culturel, premier intrant à utiliser en matière d'engrais, c'est l'IRE. Parce qu'après, on fera juste, ils ont rattrapé le train en marche en amenant donc le 10-10-20. Donc pour cela, nous félicitons le banque, comme on a bien voulu, en tout cas, faire ce geste assez colossal. Et là, on sait que de façon évidente, en tout cas, ça va contribuer à améliorer en tout cas les rendements au niveau donc, de la commune. Et qui dit amélioration de rendement, dit amélioration de revenus. Donc naturellement, ça va contribuer donc, à améliorer le bien-être. En tout cas, au niveau des ménages, au niveau de l'accord. Donc, ce sont des mots que j'ai bien voulu, en tout cas, placer. Merci. Je suis d'être là aujourd'hui pour exercer le mandat de l'entreprise d'Intra, qui n'est pas sous le contrôle de Amadou, qui n'est pas en sa première édition, je pense. Une première coopérative test nous a permis d'être là aujourd'hui. D'avoir cette idée de mettre en place plusieurs coopératives dans les zones horticoles qu'on a établi nous-mêmes dans le cadre de notre programme de RSE. Mettre en place 5 zones où sont représentées 5 coopératives. Nous avons commencé le travail avec une première coopérative que nous avons accompagnée, qui m'a pu appeler une coopérative TES. Dans la zone de la vallée de Kermadiak, où les agriculteurs ont reçu la première édition de partage de semences qui a porté ses fruits et qui nous a beaucoup inspiré à passer à l'échelle. Ce qui nous permet aujourd'hui d'être là. Je pense que l'objectif et l'idée derrière a été partagée par l'ensemble des intervenants. Nous voudrions faire des entrepreneurs agricoles. Tous les intrants, tous les ingrédients ainsi de suite. Vraiment, en marge de ce que nous sommes en train de faire, ce volet agriculture, vraiment, nous tient beaucoup à cœur. Tient beaucoup à cœur également. Infinity Power, qui est devenu notre filière mère. Et je pense que nous allons contribuer grandement aussi à lutter contre la pauvreté, contre le sous-emploi dans la zone de Kermadiak. Ce sont ces quelques mots que je voudrais placer à la suite des différentes interventions. L'avenir de l'éthique à l'air.